un mirage, je boirai de tes sources. Si fueses un espejismo, bebería de tus fuentes. Si tu étais une énigme, je percerai ton secret. Si fueses un enigma, descubriría tu secreto. Si tu étais la mer, je serais ton sel. Si fueras el mar, yo sería tu sal. Si tu étais une autre, je t'aimerais quand même. Si fueses otra, te querría igualmente. Mapas como este no dicen mucho sobre el mundo, pero lo dicen todo sobre el mundo para el que fueron dibujados. En un mapa siempre hay más de lo que su autor creyó poner. Los sueños y las pesadillas de su época, cómo veía su época el mundo, en cada mapa está el mundo. Il danse, dans le bar, il danse, il avait peur. Enfin, il hurle, comme un fakir, de la vie devient visible. Sous le tétoir de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, qui enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres, le sang, le suivre, ils veulent être morts, puisqu'ils sont cuivre, comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles, et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Qui crie comme les bras. Una bellísima andaluza de unos 50 años que, en busca de un porvenir, había emigrado a París a principios de los 60. Extraño destino el de las mujeres que han nacido demasiado bellas y atractivas. Las gordas y las feas las envidian sin saber que la mayoría de esas criaturas de ensueño terminarán bien como prostitutas, azafatas de feria de automóvil o casadas con un viejo inmundo. Debajo de un quinqué, la mesa de un café, felices por reunida, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear, alegres por París. Je le presserai comme un citron maintenant. J'en profiterai, crois-moi. Tu n'as qu'à te trouver quelqu'un de toi aussi. Il s'est mis les mains dans les poches. Ah bon? Ça, c'est le signe que je dois fermer la fenêtre. Et lui? Il partira une fois que j'aurai fermé la fenêtre. J'ai l'impression que ton bonhomme marmonne quelque chose. Oui. Depuis un moment, j'ai la même impression. Et s'il te disait des mots d'amour? Tu crois? Qui sait? Peut-être que tu as raté une grande passion. Ah, je crois plutôt qu'il parle tout seul. Il est parti. Il est parti. Tu n'en as pas eu assez? Tiens. Elle a fermé la fenêtre. Et tu te demandes pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai mis la main dans ma poche. Depuis 10 ans, chaque fois que je mets ma main dans ma poche, elle ferme la fenêtre. Ça t'a plu? Oui. Mais j'ai l'impression qu'elle parlait tout le temps. C'est vrai. Ouais. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'elle a commencé à parler toute seule. Mais peut-être... Peut-être qu'elle te dit des mots d'amour, mon vieux, mais peut-être que tu iras une grande histoire. Une grande histoire? Tu crois? Alors, tu n'as qu'une chose à faire, et je l'ai faite. Il faut prendre la phrase et la recueillir, la sauver. Répéter le mot de passe, le transmettre, et ne jamais l'oublier. Tu as raison, ma chérie. C'est merveilleux, une fille. Si je sais que tu m'aimes, Lali, tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais, je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Thank you.
tiene otro paquete. Pero bueno, Humberto, no le van a dar fingers a las 10 de la noche en la cama. Claro que no. ¿Le podemos dar queso? Pero Sonia, ¿qué te pasa? ¿Prefieres que nos arruine la noche? Por lo menos estaremos tranquilos. Eso es lo que espera. ¿Cómo dice? Se pone odioso para que cedan. Y cedemos. Y se equivoca. Inés, por favor, no te metas. Me meto en lo que quiero. Deja de reprimirme. Mira, llévale su queso, llévale lo que quiera, pero que deje de interrumpirnos, ¿vale? ¿Eh?